tay dañ la nago won pour waxtan ak yeen ci li nga xamné brigade Diger brigade mix bi nga xamné région de Thiès amnako mom la def fan yi entre le 12 et le 13 juin dañu salonné depuis quelque temps amna ñu introduire dans le marché si ce marché bi ay produits yo nga xamné produits yo xamné la baaxul pour nit consommer ko lu ci ëpp nak ci produits yi joggé ci ñanaw yi la moy ginaar ye ñom sa so selo sa ci opération bi doon def ni liñ ci gëna remarquer moy amna ay cuisses yu fi dugg yo nga xamni ay cuisses yo xamni dafa dugg ci sunu rew ci façon bo xamni dal jaaru yo donc brigade bi nga xamni moy brigade mix bi nga xamni ñeuk composé moy service d'hygiène moy la brigade régionale d'hygiène le service du commerce et de la consommation avec l'inspection régionale de l'élevage ñeuk composé avec appuyé aussi par les forces de sécurité, moi police. Alors donc on fait voir si je m'évoque français, moi police de venir accompagner cette opération beaucoup. Pour nous donner ce marché, pas parce que correctement il faut juste revenir quelque part, mais parce que là il faut beaucoup se souvenir que manquer voir l'église en français, moi nous service j'ai malheureusement voir ni, voilà trois semaines du mois, nous on sur le terrain, dit chef l'église nous a amené traditionnellement dans quelque part, moi service d'hygiène, moi service commerce, moi service élevage. Il s'est dit ça, qu'il n'y a pas opéré dans le marché. Mais nous, si nous parlons, nous parlons de l'opération, force de l'opération, pour que nous trouvions des solutions, des résultats qui sont les plus importants. Moi, je suis de Fanny, les résultats que vous avez présentés, nous avons aussi, nous avons saisi beaucoup de choses. Nous avons continué de s'indiquer, pas pour corriger, mais même après corriger. Réunir aussi un grand cercle de la Comité régional de la consommation, avec tous les acteurs, les agriculteurs, les grands commerçants et autres, nous voulons nous protéger la population si nous consommons. Parce que si nous avons un marché, de façon de marchandise, nous ne pouvons pas faire ça. C'est ce que nous avons fait. Nous avons les forces de sécurité, nous avons fait des douanes, nous avons fait des mais aussi nous avons fait des retirés. Mais nous avons fait des marchés aussi, nous avons fait des services qui nous ont fait pour voir telle ou telle marchandise bahna. Le secret de voir, mais parfois, nous devons se poser que chaque fois les marchandises du périmé sont varies. Et donc, si ces îles nous opèrent, l'on nous dit que nous varions. Les gens nous disent qu'il y a plus de gens qui doivent commencer neuf, ils doivent neuf. Voilà une des fonds qui doivent faire des minutes d'abattage clandestin. L'abattage du fournet que l'on doit faire. Peut-être les moyens factuels, moi, dans notre zone, on a amené aussi de faire dégager les grandes entreprises qui ont des agriculture. D'ailleurs, il y a aussi pour nous faire un abattage du bruit, pour maintenir la chaîne de froid, il y a un service d'hygiène et d'élevage. Nous devons suivre de l'abattage à l'installation de ces produits-là dans les marchés. Comme ça, nous devons avoir un état de putréfaction. Nous devons changer. Nous devons avoir la santé de la population aussi partir. Donc, grosso modo, nous devons remercier la brigade régionale mix bi nga xamni def nañ liguey bi def ko ci volonté bu ma seuk ndax bu len waxe en 48 heures rek ñew nañ ak détermination def ko di remercier aussi force de défense et de sécurité enfin de remercier yeen journalistes yi nga xam dañ ñew pour véhiculer information mu santé je crois que moy ñaari marché nga xamni mom mo gëna réussi dëkk bi si jeune matron fofu lañu nango yu ci ëpp da so ñu gisé fi ci wétu raay bi ni amna fa ñu nga xamni lool rek moy seen spécialité. Et nous aussi, avant de faire le guébité aussi, nous avons fait ça, alors je vous le dis, nous avons fait pas pour dénoncer parce que nous voulons concurrencer, mais aussi pour alerter l'autorité. Mais fait que nous aussi, le service d'hygiène commence à le guébité. Heureusement, nous avons fait le récupérer avant même de commencer l'opération. Donc nous avons aussi, nous avons récupérer aussi, parce que comme je vous le dis, nous avons transporter ces clandos de façon honnête, nous avons fait xëgna lolu dama ko bëggoon def off mais mën naa ko wax ni clan do nit ko feebar sax mënu si dugg tout juste après ñu duggal suñu groupe loolu mën nañu indil ay feebar bu nag donc yooyu duñ si bëgg a jub ni ngi koy def fii mais aussi d' autres régions vont le faire pour au moins ñu protéger suñu population si ces fleurs yi xam nga régional de l'hygiène à Thiès donc nous sommes là pour la brigade mixte tout à l'heure que vous allez présenter monsieur le gouverneur. Nous avons, comme préalablement dit par monsieur le gouverneur, nous étions dans cette opération depuis longtemps. C'est vrai que ce n'est pas uniquement à cause de la COVID, mais c'est depuis tout le temps, comme nos activités quotidiennes nous le demandent. Mais pour cette brigade mixte, nous avons déployé 4 véhicules.
dans trois, avec trois équipes sur trois axes dans toute la ville de Thiès. On a maillé la ville de Thiès, plus particulièrement le marché central, le marché Moussenté, le marché Grand Thiès et la périphérie. La périphérie avec tous les endroits périphériques où il y a des fermes. Des fermes. Donc ce sont ces axes que nous avons visités avec des équipes composées par chaque véhicule, pour chaque véhicule, des agents de l'hygiène, des agents du service de l'élevage, des agents du service du commerce et du commissariat central. Donc voilà en somme ce qui a été déployé sur le terrain pour ces deux jours. Ces îles opérées sont entre autres, comme nous l'avions dit tantôt, des produits périmés dans les lieux de commerce. Des produits carnés, avec beaucoup de volailles, avec beaucoup de produits de bovins, des ovins, des caprins, impropres à la consommation. Certains sont en état de putréfaction, ça il faut le dire. Nous avons trouvé des gens qui sont en train de vendre des produits carnés, qui ne sont pas bons, donc qui sont en état de putréfaction. Et tous ces produits saisis sont acheminés dans des lieux de stockage. Et il y a aussi de la boisson dont la date de péremption est déjà épuisée. Nous avons aussi tout ce qui est bouillon dans le marché, avec d'autres produits aussi et qui sont frauduleusement entrés dans le marché, comme nous l'avions dit tantôt. Donc tous ces produits sont saisis et retirés de la vente. La semaine dernière, on a... C'est le cas depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je pense que vous-même, mais